La mode printemps. Alors, on remarque que cette année, la mode masculine est assez audacieuse. Oui, Louise, c'est la tendance pit du jammer. Mm. Ça marche très fort à Londres et à Paris. Ouais, on remarque l'appliqué noir style alphabet. Oui, et il y a 5 lettres disponibles. C'est une mode qui convient bien à l'homme élancé. Oui, mais on peut aussi obtenir le modèle extensible. Les manches sont jaunes. C'est un chiffon J, c'est très doux. Oui, et le modèle inversé est également disponible, je crois. Oui, et le pantalon ici est une création du designer japonais Tsuyo. C'est très beau. Il tombe bien, et puis les mocassins sont assortis. Oui, Louise, à première vue, c'est un mocassin qui semble vulgaire. Mm-hmm. Mais c'est du lama et c'est très cher. On peut rêver. Ici, la coupe de cheveux est une création du coiffeur japonais, Sido. Oh, ben, je croyais que c'était tuyau encore. Non. Bon, c'est un ensemble printemps et on peut le porter en été ou en automne. Non, c'est interdit, faut en acheter d'autres. OK, merci les mannequins. Alors, en conclusion, évidemment, tout ça est confectionné à la main par des ouvrières immigrantes à 1$. Mm-hmm. Ce sont des modèles uniques, personnalisés, et c'est très dispendieux, Louise. Parmi les tout nus qui nous écoutent, il n'y en a pas un qui pourrait se le payer, mais on peut rêver. En tout cas, moi, je les ai gratis.